Toi, Jonathan, c'est parti. Merci. Jonathan Roy, Dieu merci. Dieu merci, tu reviens enfin. Mais qu'est-ce que tu faisais dans le backstore? C'était bien long. Rien. Tu faisais rien? T'étais pas en train de grignoter? Non. OK, Martin, c'est un magasin de plein air ici. Hein? Oui. Les gens qui viennent ici, ils sont en forme, hein? Alors que toi, là, ben... Ben, j'étais en forme, gars, mes cuisses. C'est vrai que t'as la cuisse musclée, mais quand même, là, j'ose pas le dire, là, mais tu te qualifierais comment? C'est quoi ton problème? On travaille ensemble quand même. C'est quoi? Mais... Il y a du respect. Écoute, Martin, j'avais... Il n'a pas de respect, là. Il y a du respect. Non, il n'a pas! Calme-toi, Martin. Calme-toi, là. Je ça calme. Va être calme. Okay. Tu ris de moi. Non. J'aime pas ça. Non, Martin. C'est ta dernière chance, là, Martin. Hein? Il faut que tu mettes le paquet. Le truc pour la vente, c'est qu'il faut que tu les impressionnes, puis après, ils vont t'acheter n'importe quoi. OK. Hein? OK, on va y aller avec elle. Je vais. Mesdames? Mesdames! Non, viens. Bon, c'est correct. Oui. Alors, mesdames, alors je vous présente Martin. C'est notre expert. Salut. Oui. Je suis Martin. C'est Martin. C'est notre expert en matériel de camping ici. Puis ce gars-là connaît tout sur le matériel de plein air. Hein? D'ailleurs, comment est-ce qu'on te surnomme ici? Le gros tas de merde! Non. Monsieur Camping, on l'appelle Monsieur Camping. Ah, oui. C'est ça, je oui. J'en fais des bouts. Oui. D'ailleurs. Ça tombe, si. Monsieur Camping, dis-leur donc de quelle expédition tu viens tout juste de revenir. Expédition d'Everest, t'as du 10 livres. Oui. Oui, wow. Toutes des cuisses! Bon, ben alors, M. Camping est là pour répondre à vos questions. Ben, nous autres, on prépare... Ben, c'est ça, c'est vraiment beau, et ça, on a plein de choses. Martin! Oui? Parle-leur du sac à dos super sophistiqué. C'est super sophistiqué. Ben là, je vais vous montrer qu'est-ce qui est super spécial, des affaires comme ça. OK. C'est que, regarde, ça vient même avec des genres de sacs en plastique. Ah! C'est vraiment trippant. Puis le pire, là... Ouais. C'est, Gabin, c'est super. Tu prends ton soulier. OK, OK. Tu le mets là-dedans. Ouais. Tout est propre, tu sais. Puis après, tu le mets dans le sac. C'est. Je vous dis, c'est sophistiqué. Ça reste comme sec. Oui, oui. Ça reste sec. Wow, ouais. C'est beau, Martin, c'est beau. Je suis impressionné. Oui, oui, ça va bien. Ça va très bien. Je vais remettre mon soulier. Oui, je pense que c'est une bonne idée, hein? On va... Mais je pense qu'on le prendra pas, hein? Mais votre gérant nous a dit que vous donniez des formations en escalade. Oui, on aimerait ça que vous nous montriez comme un exemple sur le mur là qui est derrière vous. Ouais. Un peu de... Yeah. C'est super simple. OK. OK. Ça va, je suis là. Okay. Montez sur le premier pied. OK. Et... Ça va bien. Ça okay. va très bien. Vous prenez ici. OK. Puis là... Oup! Hey! Oh, mon Dieu! Voilà! Ça va-tu aller, Martin? Ça va bien, Martin, ça va bien, hein? Tu les impressionnes, là, c'est correct, ça se passe bien. C'est trop que tu m'as! Ça va bien, Martin. Je l'ai pas partout. Oui, oui. On prendra peut-être pas la formation en escalade, non. Là. Mais vous qui êtes un aventurier assez costaud, là, si jamais on se perd en forêt, qu'il commence à faire nuit... Tu m'appelles puis je m'en viens. Mesdames et messieurs! C'était Jonathan Roy!
Je suis renversé. Je l'avais pas vu venir, celle-là. Non, non, mais j'ai compris ta tactique, là. T'avais gardé toute ton énergie en avant de la porte pour exploser dans le sketch. On peut dire, oui. Ah oui, mais écoute, t'avais une maîtrise du personnage, mais je pense que Gaston n'aura pas besoin de ses bodyguards. Non, sauf pour me protéger de certains gags. Non, écoute, c'est extraordinaire. T'as utilisé à peu près tout ce dont un acteur a besoin. Tu t'en es servi, alors y compris la cascade. Magnifique cascade. Hein? Oui. Hey, deux fois, là, j'ai eu peur que tu te fasses mal, par exemple. Oui. Heureusement, t'étais bien rembourré. Et puis, ton personnage, fabuleux, d'un bout à l'autre, le même personnage. Il est horny au bout. Bravo. Vraiment, tout un sketch haut en couleur. Bravo, Jonathan Roy, mesdames et messieurs. Merci. La jeunesse de Rome est en perdition. Oui, je...